Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un jeu très très particulier puisqu'il s'agit des Simpsons, le jeu. Et oui, j'avais promis, et j'avais même dit dans une autre vidéo, que j'allais faire un autre jeu qui n'avait rien à voir avec DC Comics, rien à voir avec Marvel, ni rien à voir avec l'horreur. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu Simpsons pour changer, puisque sur ma chaîne, j'ai le droit de faire un petit peu ce que je veux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu Simpsons que ça ferait extrêmement plaire aux gens. Donc, il s'agit des Simpsons, le jeu qui est sorti en 2007. Et c'est un des jeux qui est le plus surcoté, je trouve, des Simpsons. Alors que pourtant, j'avais pas mal de très très bons souvenirs sur le jeu. Et vous allez voir que le jeu est très particulier puisqu'il ne s'agit pas simplement que des Simpsons dont on voit dans les épisodes ou quoi que ce soit. C'est une aventure très particulière, donc on va aller découvrir ça et on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Allez hop, let's go, c'est parti pour une aventure avec les Simpsons. Et on va bien rigoler, je le sens. Parce qu'avec les Simpsons, on rigole tout le temps. Grand Sam Scratchy, achetez-le. Scratchy. Sérieusement? Chocolat à moitié prix. Excusez-moi, gros monsieur, vous mangez notre monde, là. Eh, tu ressembles au lapin du bouquin où il y a une fille qui s'appelle Alice et qui va au pays des merveilles. Comment il s'appelle, ce bouquin? Ouais, Blanche-Neige et les sept idiots. Pour votre information, je suis le lapin chocolat blanc. Eh, le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Il y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. du chocolat blanc. Vous feriez peut-être mieux dans un RPG au tour par tour. C'est le roi des morceaux de chocolat. Allez, Tombo, vas-y. Ah bah là, je trouve que là, on retrouve directement l'univers des Simpsons et surtout l'humour. Parce qu'on est déjà dans l'humour des Simpsons qui me plaît beaucoup. Hop, on monte, on va suivre le lapin. Les de cet endroit sont magnifiques. Et regardez-moi ça. Chocolat mériterait encore plus de chocolat. Et en plus, on a les mêmes VF comme dans le dessin animé. C'est pas ouf, ça? Ça, c'est pas ouf. Ah, ce coin est tout plein de chocolat. Oh,
Franchement, au niveau des graphismes et tout, je trouve ça magnifique pour un jeu de 2007. Alors, si vous avez suffisamment de pouvoir, maintenez rond pour un super Rodomer. Waouh. Ça a l'air génial. Appuyez sur rond pour étourdir les ennemis avec un Rodomer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais. Ta gueule. Vous sentez là, vieille poisson. Monsieur, vous êtes un monstre. C'est toi qui es le monstre. Je trouve franchement le jeu sublime. Du coup ici, tous les épisodes contiennent des objets cachés. J'ai pas le temps de lire. Vous avez trouvé une capsule de Duff. Trouvez tous ceux de l'épisode pour débloquer un trophée. Collectez les trophées pour faire monter votre jauge de pouvoir. D'accord. Non, descends Homer, descends. Waouh, je sens que je vais déjà kiffer le jeu. Pourtant j'ai déjà joué hein. Pourquoi Springfield n'a pas aussi bon goût? Bah, petite question. Franchement, comme j'ai dit, je trouve le jeu magnifique. Bon, après là, c'est que le premier niveau. Hein. Après, on va voir par la suite ce que ça va donner. Alors, détruisez les fontaines de marge pour empêcher les ennemis de réapparaître. Rêve, je vais dormir tout le temps. C'est magnifique. Select, c'est quoi ça? Ok, c'est pour les objectifs, d'accord. Ah ok, quand le gros est à fond, je peux pas manger autre chose. Attends, là par contre... Vas-y, goinfre-toi, oh merde, putain, j'ai du mal à parler, ça c'est le soir, c'est normal. On a quoi ici? C'est mon anniversaire ou quoi? Je ne crois pas. On sait que vous êtes chaud. On va faire ça parce que là ils sont un peu. Voilà. On a éliminé tout le monde. Voilà. Ça, je pense que des pouvoirs. Ah non, je pensais qu'il y avait des trucs à ramasser, mais non. Donc là, triangle. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des... Ah non, c'est pas des cookies. C'est des macarons. Oh, c'est mignon. On se croirait dans le monde de Barbie. Alors, ça fonctionne comment, là? Ok. Voilà. Voilà. J'espère que je croiserai aucun Oompa Loompa. LOL, la référence à Charlie et la chocolaterie. Ok, il y a une capsule de l'autre côté. Je crois à mes souvenirs, on peut se transformer en boule. Mais je ne sais pas c'est quoi la touche. Je sais qu'on peut se transformer en boule quand on est en Homer. Il est bien mieux que toutes les autres. Ah, parce que t'en connais d'autres? Mais c'est vrai, regarde ça, la rivière en chocolat et tout ça. Putain, on dirait vraiment dans Charlie et la chocolaterie. Voilà. Mais c'est super beau, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec Springfield. Oh, cet endroit est chocolastique. Chocolastique. Ah, mais il est là. Bah alors, mon gros, vous avez du mal parce que vous avez déjà trop mangé? Bon, je t'emmerde. Oh, ça marche pas. Voilà. Appuyez sur R1 pour vous transformer en boulot, mais... Ah, mais c'est R1, voilà. Oh, la vache. Vous allez vous réveiller. Regardez-moi, je suis une grosse boule de chocolat. Et je peux me coiffer aussi. J'en ai plein. Mon rêve se réalise enfin. Merci, mon Dieu, c'est pas un rêve. Je vais choper la capsule si j'y arrive. Allez, néné. Je veux tout chocolat dans ma bouche. Ah, je l'ai pas eu, dommage. Ah, il se réveille, je crois, non? Il se réveille, non? C'est pas un rêve, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Pinaise, c'était un rêve!
Pourquoi la vie est aussi injuste? Tout ce que je demande, c'est pouvoir manger tout ce que je vois et me transformer en boule géante. C'est le prix de réalité. Défi débloqué. C'est tout? Ok, c'est tout. Ok, un cliché à trouver, trophée gagné, capsule. Ouais, capsule m'en manque un, mais bon, que veux-tu. Après tout, je suis pas là pour gagner tous les capsules et faire le jeu à 100%. Non, non, je suis juste là pour faire le jeu sur ma chaîne, c'est tout. C'est tout. Du moment que je peux jouer, c'est le principal. Je ne demande pas à ce que je le fasse à 100%. De toute façon, ça n'a jamais été mon kiff. Bon, à part Arkham Knight, où là, j'ai dû finir à 100% pour avoir la fin, c'est tout. Oh! C'est pas Peppa, tu dors sur le canapé depuis 3 jours. Trois jours. Assomme-moi, d'accord? Je vais passer une nuit de plus à Chocolat City. Chocolat City. Putain, je joue Bart. Ah, génial ça. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi quel est le membre de la famille que vous aimez le plus. Moi, pour ma part, bah, en 2, c'est Homer. Et en 1, c'est Bart. Bart, je l'adore. Franchement, c'est mon personnage préféré. Putain, ils ont bien représenté la maison. Toi, ici, il y a quoi? Ok, c'est le garage. Ultra bien foutu. Là, la salle à manger culte. Attends, est-ce qu'on peut monter? Ah ouais, on peut monter. Débloquer Marge pour rentrer dans sa chambre. Débloquer Lisa pour rentrer dans sa chambre, d'accord. Ah, pour Bart, ça a l'air vide, je trouve. Putain, ils l'ont vraiment bien foutu. Ah, bon, je pense qu'il va falloir sortir. On va aller à Springfield. Certains mangent jamais de moufette et pourtant certains aiment le plouc. Personne ne perd d'orteil, pourtant certains aiment Titus le plouc. Pour Halloween, peut-être. D'accord. Ça pue. Mon papa dit que ton papa est un rebut. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être supérieur aux autres. Oh, c'est bien. Vous avez trouvé un coupon Krusty. Trouvez ceux de l'épisode pour débloquer un trophée. Ok, Bart avec les coupons Krusty. Maintenant, ça suffit. Ok. Putain, hey, c'est vraiment bien foutu. Comment ils ont représenté Springfield. C'est magnifique. Qui ah, oui, se trouve l'Atlantide? C'est nous. C'est nous. Doucement. Hey, c'est pas une référence à un épisode. C'est pas une référence à un épisode, ça, de... Quand Homer fait partie d'une secte là ou un truc ainsi, je sais plus. Bah, par contre, je vous le dis, hein, dans cette série, enfin dans ce jeu, vous allez avoir plein de références à la série. Il y a des personnages qu'on a vus dans la série justement. Et par épisode, je ferai deux niveaux. Gilles, c'est un très mauvais vendeur. Par épisode, je ferai deux niveaux. Donc ici, on va faire encore un niveau pour terminer la vidéo. Je devrais peut-être me remarier pour donner à Seymour une petite sœur ou un frère. Oh, la mère de Skinner, elle me fait tout le temps rire, elle. Alors, c'est quoi le nom du niveau? Batman Begins. Sérieux, il va avoir un lien avec Batman? Ah, ou alors Bart va être Batman, comme j'avais vu dans un épisode. J'aurais bien aimé. Bartman qui fait une parodie de Batman, ça c'est pas trop mal honnêtement. Ça m'avait bien fait rire quand j'avais vu cet épisode. Alors. Salut Vendeur Minable, un exemplaire de Grand Theft Scotch, s'il te plaît. Désolé monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. Ok Doc, j'ai ma carte d'identité. C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la calzone de Cal. T'as une calzone gratuite pour toi à l'intérieur. C'est encore jamais arrivé. Waouh, les ados sont débiles. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo? Oh, t'as acheté un jeu? Oh, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton père met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Oh, super, maintenant je peux plus jouer à rien à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons le jeu? C'est bizarre. Le seul Les Simpsons le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pan n'est pas alcoolique. Alors c'est quoi ce truc? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas être dedans. Wow, maman aussi. Ah même Lisa? Qui voudrait la prendre comme perso? Wow, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter, faut que j'essaie.
Ah bah qu'est-ce que je disais? Waouh, c'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit. Regarde ce qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine. Bah, je suis un super-héros maintenant et j'ai plein de pouvoirs géniaux. Des super-pouvoirs? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des chauves-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir? Le musée d'histoire naturelle. Ok. Je me suis toujours bien senti dans les caves et les tranchées. Appuie sur rond pour l'inspire de barre. Bien joué! Vraiment bien joué! D'accord. Le vendeur de BD qui va nous faire des clichés, je parie. Collecter des petits objets et le pouvoir pour remplir la jauge de pouvoir de Bart. Lorsqu'il a assez de pouvoir. D'accord. À Bart avec un lance-pierre. Waouh. C'est immense. C'est immense, honnêtement. Je sais pas si ça fait une référence dans un épisode, mais... Alors... Allez, vas-y, monte, Bart. Hé, hey, Bart, c'est qui le plus malin, moi ou Lisa? Ah, plus Lisa que toi, Homer. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On va pas tarder à le découvrir. Ça va chauffer. J'ai oublié, à chaque fois je dois tout le temps jongler avec les personnages parce qu'ils se changent pas automatiquement. Bart peut flotter. Tout d'un coup, je pige toutes les blagues cochonnes que j'ai entendues. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ok, il peut planer. Je me disais que je pouvais passer. D'accord, il peut planer. Votre camarade va vous consulter l'indicateur de votre camarade pour voir son statut. Ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Oh non, pas eux. Rappelez-vous les gars, on est là pour piquer des trucs, pas pour apprendre. Ne lisez pas les panneaux, ne regardez pas les expos, restez concentrés. Je les aime pas ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Allez, viens, sortons de là et partons à la recherche d'une situation que seuls mes pouvoirs peuvent rétablir. Lenny aurait besoin d'un coup de main. C'est qu'il a un gros futon. Attends, peut-être que je devrais empêcher ces brutes de cambrioler le musée. C'est le vengeur noir après tout. Exactement. Ce serait plutôt embarrassant d'échouer juste à cause d'une vitre. Attends, il y a quelque chose là. Ah, qu'on peut monter. On peut monter par des lianes. C'est bizarre. Bon, c'est juste pour récupérer ça. Bon, c'est pas grave. Il y en a 6 là. Ça devrait être impressionnant, mais on dirait que personne n'y habite. Non, sans blague, tu as seulement de le remarquer. Allez hop, on monte. La 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 la. Bart, c'est pas poli de grimper sur les murs. Et puis tu vas mettre tes empreintes partout. Bart, je m'ennuie. Fais-moi rire. Allez. Allez, viens, suis-moi. Avec plaisir. Super bien. Ah, ça va, l'IA est correcte, je trouve. Bien joué. Vraiment bien joué. Ouais, il va me faire hurler, lui. Attends, quoi? Il faut 2 losers pour les faire fonctionner. Oh, le bâtard. Oh. Je savais pas que tu parlais grec. Hé, hey, Bartman, t'as déjà dansé avec le diable au clair de lune? Je parie qu'un nom. Oh, la référence au Batman de Tim Burton. Ok. Moi, j'aurais bien aimé que mon père m'emmène dans des bagarres. Hé, hey, des étrangers veulent faire un casse. Voilà. Ces gardes seront comme une entrée avant le plan de résistance. Y'a plus de gardes maintenant. Waouh, ça a l'air beau, je trouve, franchement. De toute façon, je vais déjà le répéter, hein, mais je trouve le jeu très très beau. Utilisez votre camarade pour résoudre les puzzles. Hé, Homer, j'ai besoin que tu ramènes tes grosses fesses. Oh, le bâtard. Ah, il vient, Homer. Ah, ça va, alors. Ah, tu vois, l'IA est correcte, je trouve.
Puis j'espère que mon squelette lui sera aussi utile un jour. Enfin ! Il est con, Homer. Selon Flanders, ces vieux os ont été plantés dans le sol par Dieu. Pas de garde ? Ok, c'est bizarre. Ah si ! Allez, venez. Ne vous inquiétez pas, c'est bien les gros et les enfants au tribunal. Je vais vous montrer la sortie. Là, c'est pas des... Notre musée applique une règle stricte envers les malotrus. Voilà. Même voilà. Ralph est plus drôle que vous. Ah ouais, Ralph, le fils du chef Wiggum qui est con comme un steak. Mais lui, il est vraiment idiot à ce point-là. Ah, je voulais pas faire ça. Par contre, ça, je prends. J'ai dit ça, je prends. Merci bien. Oh là. Allez, dessus. Voilà, nickel. Oh, lourd. Fais gaffe où tu marches, j'ai perdu une lentille. Laisse tomber, Bart. J'ai gagné le concours fédéral de cache-cache. C'est ça. Et ça, tu le sens venir ? Désolé. Je sais, je devais la faire, cette blague. Oh, en l'air. Oh, c'est génial. Moi, oh, je suis trop fort. Ah, oh, je suis trop fort. Allez, on avance. What ? Posez vos armes et oubliez vos idées reçues. T'as été email, qu'est-ce qu'il fait là ? Ils sont dans notre camp, mais on peut les viser aussi. C'est quoi ça? Waouh, robot Bart. Bart est temporairement plus fort et invincible. Ses lasers peuvent toucher les ennemis même à travers le verre. Lourd. Oh, ça va être lourd. On voit le deuxième. Bienvenue à Springfield dans le musée d'histoire de... Merde. Voilà, le deuxième. Notre premier diorama présente la vie de nos ancêtres. Voilà, une tiens. Des caractéristiques qui a rendu les premiers humains uniques est l'apparition des mains à quatre doigts que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je pense que ça va être plus simple. Là, je pense que ça va être beaucoup plus simple de viser comme ça. Nous continuons notre visite avec l'histoire de Gebedia Springfield, le noble fondateur de Springfield. Selon la contre-enquête de Lisa Simpson, le père de notre ville était en réalité un pirate assoiffé de sang. Mais oubliez ce que je viens de dire. Ok. Ah là là, c'est relou ça. C'est relou que le truc qui reste ou pas indéfiniment. Allez, dépêche-toi. Voilà. Tu vas venir ici. Voilà. Un tir de blast, ça l'a calmé. Eh ouais, mon pote. Par contre, j'ai vu, il y a un truc pour Homer. Il y a un truc pour Homer ici. Voilà, le seul truc que j'ai ramassé pour lui. C'est parti. Oh putain, oh, il y a eu un lag comme pas possible. Je pense comme d'avis, j'ai des petits soucis avec le PC. Il faudra vraiment que j'aille vérifier ça après l'épisode. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin. Bart, tu ressembles à rien vu d'ici. Oh, attends un peu que je vais venir te chercher, Jimbo. Bah, les planètes. Soleil, masse de gaz incandescent. Belle à votre Morgan Freeman. Vous voulez vous battre, mes petits pères? Vous êtes même pas capable de garder votre dignité. Voilà, les trois directions. Les trois cœurs de la zèque sont recouverts d'eau essentielle à la vie. Allez, monte. Monte. Voilà. Hé, hey, Homer, tu veux de l'aide? Mercure a été nommé ainsi en hommage au dieu romain du même nom. C'est compliqué.
compliqué, franchement. C'est tout un casse-tête, en fait. Tout le jeu, c'est rempli de casse-tête. Partez là. Voilà. Les cellules qui enveloppent Vénus entraînent un effet de serre qui maintient la pression environ 500 degrés toute l'année. Alors, il y a quoi ici? Ok, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas trop grave. Si vous pesez 90 kilos sur Terre, vous allez en faire 35 sur Mars, en raison de la plus faible masse de la planète. Ok, je vais l'atteindre. Je vais bientôt l'avoir, ce con. Je vais bientôt l'avoir. Je vais bientôt l'avoir, allez. On y est presque. Une ceinture d'astéroïdes sépare les quatre planètes intérieures du système solaire des 5 autres planètes. Vous méritez une ceinture, à moi. Permet à mon pantalon de rester en place. Il remonte. Les 7 anneaux de ceinture sont composés de milliards de particules de glace. Un peu comme le cœur de mon ex-femme. Pourquoi il parle de son ex? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Vas-y, remonte. Des orages ininterrompus balayent la surface de Neptune. Oh, ouais, puis je me ferai un petit café, moi. Ça fait bizarre que je déclame mon texte. On va attendre qu'il monte jusqu'en haut. Pluton est la seule planète qui n'a pas été encore étudiée par le sonde spatial. Car elle est inintéressante. Voilà, je l'ai eu. Putain, j'ai pris cher par contre sur ma vie. Mais bon, je l'ai eu, c'est le principal. Arrête de m'énerver avec tes vols planeux et tes tirs de fronde. Nous sommes juste des hommes de main. Skinner nous a engagés. Le principal Skinner? Ouais, c'est moi. Pardon. Oui, non, c'est moi. Moi. La municipalité a tellement réduit notre budget pour les sciences que je me retrouve obligé d'aller voler des objets au musée. J'ai jamais entendu un plan aussi diabolique. C'est comme si Vic Mackay faisait un bébé avec un Cevita. Quelle horreur! Le coccyx de ce dinosaure pourrait donner envie à toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé, hein. On aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma pie. Il y a une Elton Avenue au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Skinner. Avouer un crime ne sert à rien. Bouclez-le, chef Wiggum. Je sais très bien que je dois boucler. C'est pas gentil de m'en guirlander pour ça. Je crois que je vais adorer me servir de mes super pouvoirs. Ah, ça c'est sûr. En 10 minutes quand même. Ah ouais, en effet. Mais bon, en même temps, c'est pas une course hein, pour les niveaux. Ouais, bon. Je m'en fous après tout. Hein. Les objets à collecter, je m'en fous. Bon, bah voilà, on a déjà fait 2 niveaux. Hein. On va s'arrêter ici, je crois. Bah, 2 niveaux, c'est déjà bien pour démarrer. Espérons que vous serez d'accord pour que j'ai la suite. Je fasse la suite. Hein. Alors, R1. Tu vois, ce bouquin dit que tu as aussi des pouvoirs de jeux vidéo. C'est pour ça que tu peux te transformer en boule gigantesque. Ce livre est trop difficile. Dites-moi ce que je dois faire. L'autre s'est barré en courant. Je vais pas me cacher éternellement derrière la mèche qui me couvre le visage. Ouais, t'as raison, mec. J'espère que j'ai l'air assez menaçant pour repousser les aliens. Et voilà. Maintenant que t'es le plus gros lard de l'univers, tu peux gagner le concours de bouffe à la brasserie d'œufs. Plus que 20 ans avant mon départ à la retraite. Oui, le concours de bouffe à la retraite. Le concours de bouffe. Grand cri me croque, si j'ai mal entendu. Les grasses Flanders. Bon bah on va s'arrêter ici, je crois, pour ce premier épisode sur les Simpsons, le jeu. En tout cas, dites-moi si vous avez kiffé le premier épisode et que vous voulez que je fasse la suite. Bien évidemment, si vous le souhaitez, je le ferai, bien évidemment. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment je à continuer. Je ne serais pas désolé, mais c'est comme ça. Mais aussi à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oublie pas le grand Vic Smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez! A plus tout le monde, salut!